Je peux vous proposer un stylo là pour remplir la grille de l'auto. À l'entrée du spectacle, on se voit remettre une grille de l'auto et un stylo. Je vous laisse la surprise du spectacle qui vous attend. La surprise, c'est ce trio qui débute avec sa spécialité, un chant de la Renaissance. Avant qu'un des trois compères ne rappelle le concept particulier du concert. Vous êtes venus pour jouer en Oh l'auto, c'est ça. Les trois chanteurs lyriques aux voix complémentaires s'en donnent alors à cœur joie. Je suis Yann Roland et je suis contre-ténor du trio. Et moi c'est Martial et je suis le ténor. Igor Boin et je suis le baryton du trio Musica Humana. Bingo ! Martial Polia. Depuis qu'on se connaît, on fait de la musique entre guillemets catégorisée comme très sérieuse et très stricte et tout ça, mais tous les trois on rigole beaucoup beaucoup. Assez vite, l'idée nous est venue de faire des spectacles dans lesquels on met à profit toutes les blagues qu'on fait dans la vie et de pouvoir être un peu plus nous-mêmes dans la vie et sur scène du coup. Et vous cochez le numéro correspondant. Igor incarne le présentateur du bingo, Martial joue du synthétiseur et Yann pioche les numéros au hasard. Le jeu est entrecoupé de moments musicaux allant de Purcell à l'opéra rock Starmania en passant par Bobby Lapointe. Yann Roland. L'histoire, c'est deux personnalités qui dirigent des centres culturels à Ardelot et à Vézelay. Ils organisaient un concert de musique de la Renaissance, je crois. Il n'y avait vraiment personne à leur concert. Et juste en face, il y avait une salle des fêtes avec un loto et c'était blindé. Et du coup, ils se sont dit, il faut qu'on fasse un petit truc qui fait venir les gens. Et les gens viennent, le public est mis à contribution. Les spectateurs doivent compléter la grille remise en fonction des numéros tirés au sort. Une ligne, c'est kin, deux lignes, double kin et la grille entière, bingo. J'ai trouvé ça exceptionnel. Ah oui, ils ont un répertoire super parce que ça s'enchaîne avec des choses différentes. Non, moi je les ai beaucoup, beaucoup aimés. Moi j'ai adoré parce qu'au niveau vocal, c'est du très, très haut niveau. Mêler l'humour et le classique en tant que du Purcell. Et l'humour, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mirabel ou Roissy, tout est partout pareil. Mais du coup, Igor Boin, les numéros gagnants sont-ils les mêmes tous les soirs? Alors ça, c'est un secret. Il faut venir voir le spectacle plusieurs fois pour voir le secret de magicien. Rendez-vous est pris ce mardi soir à Saint-Père-sur-Mer et à l'automne en région parisienne. Monopoly. Monopoly.